Bonjour tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour la suite de la carrière avec Arsenal en ce mercredi. Demain, vous le savez, nouveau CDF, donc soyez là demain. Et aujourd'hui, normalement, si tout va bien, il y a une deuxième vidéo qui sort dans la journée. Je vous invite à être là aujourd'hui, à être chaud, parce que deuxième vidéo tout à l'heure, qui risque d'être pas mal, donc je vous invite à surveiller la chaîne dans l'après-midi. Bref, on est parti aujourd'hui pour la suite. On a trois matchs au programme aujourd'hui, donc on a Chelsea, match aller, match retour de Ligue Europa en demi-finale. Et on a le match au Villa Park entre deux, donc contre Aston Villa, ça va être sympa. La semaine pro, on a le dernier épisode de la saison 2, et on passera à la saison 3 si nous sommes qualifiés en Ligue des Champions, mais normalement, ça devrait le faire. Plusieurs choses avant de commencer, je vous avais proposé de prendre Coutinho la semaine dernière, pour le prochain mercato de la saison prochaine, vous avez proposé Coutinho en pointe. Mais en fait, beaucoup ne comprennent pas que c'est pas parce que le joueur est en pointe que c'est forcément un buteur. Il peut être en haut au niveau de l'attaque, hein, dans le 4-4-2, mais est un joueur plus créateur, hein, il faut bien le comprendre. Je me rappelle de Lyon, saison 2014-2015, et bien par moment, Lyon jouait avec Fekir Lacazette et je crois Clément Grenier derrière, ou un autre joueur un peu plus créatif, en soutien des deux attaquants qui sont Fekir et Lacazette. Alors que Fekir, jamais de la vie vous allez le mettre en buteur, alors que c'est un joueur finalement qui peut jouer à ce poste-là. Donc Coutinho finalement pour être le galetteur de Nicolas Pepe. Surtout qu'on avait dit, mais prends pas Coutinho en pointe parce qu'il te faut un finisseur. C'est quoi Nicolas Pepe? C'est le boucher du coin? Non mais parce que si je sais pas, peut-être respecter un petit peu l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue et l'un des joueurs qui nous fait vraiment plaisir, qui marque énormément de buts, hein. Parce que si Nicolas Pepe c'est pas un vrai finisseur, faut m'expliquer comment il marque 28 buts. Voilà, donc ça c'est pour le petit mise au point. Nique les abonnés bien sûr, hein. Non. Ah si, Justin, hein. Nique les abonnés. Donc voilà, je vous ai proposé ça, vous m'avez aussi conseillé de mettre Depay dans la liste. Je crois que Depay est parti, hein. Depay il va toujours au Borussia Dortmund, alors je crois qu'il y est allé aussi, hein. Voilà, il est au Borussia, Depay, donc il était déjà sur la liste. Le problème de Depay, c'est qu'il a 86 de notes, comme mes autres attaquants. J'aurais bien aimé prendre un joueur qui a un petit peu plus. Et c'est pour ça que j'étais sur Coutinho, qui a 86 aussi, donc je dis des bêtises. En tout cas, ouais, après le problème, c'est que les buteurs, ouais, ils sont jamais au-dessus de 86. Après, Luka Jovic, il peut monter un petit peu, je pense. Il peut monter au moins à 88, 89. Moussa, il peut monter, mais il est que à 83. Depay, il peut monter aussi, je pense, un petit peu. Donc, à voir, pourquoi pas Depay, hein, pourquoi pas, je dis pas non. Est-ce que je l'ai testé l'an dernier? Je crois pas, en carrière normale. Donc, pourquoi pas. Très honnêtement, pourquoi pas. Je m'exclus pas de le prendre pour la prochaine saison. Parce que je rappelle que la saison prochaine, on a le départ de Lacazette et de Aubameyang. Donc, on va mettre Olmo en 10 et on va recruter un joueur au milieu de terrain et un joueur en attaque. Ça, c'est pour le programme de la saison prochaine. Après, j'aimerais bien recruter un gros joueur aussi. Donc, on verra ce que je fais. Faudra que je fasse une petite recherche de joueurs pour améliorer l'équipe. Voilà, puis on a Joao Félix, hein, qui pourrait être aussi pris. Ça pourrait être l'une des possibilités. Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans les commentaires? Oui, il y en a un qui m'a dit SD fait des titres qui spoilent le moins. Alors le but d'un titre, c'est que ça donne quand même envie de cliquer. Je juge que mes titres ne spoilent pas. Quand je dis My Name is Pepe dans le titre de la semaine dernière, bah... Je vois pas en quoi ça spoil rien du tout, ça spoil rien du tout. Sachez que faire des titres c'est pas évident, parce qu'il faut essayer de pas toujours écrire la même chose. Il y a que celui qui fait pas de vidéo qui sait pas que faire des titres c'est difficile. Donc j'essaye de me spoil le moins possible, hein, dans les titres. Et des fois je dis, déjà champion, point d'interrogation, point d'exclamation, des fois ça va être oui, des fois ça va être non, donc en fait j'essaye de créer du suspense, des fois je fais genre, oh regardez, est-ce que j'ai gagné le trophée, et en fait je l'ai perdu, mais je marque comme si je l'avais gagné, comme ça vous ne savez jamais, finalement quand je gagne un trophée, grâce à ce petit système, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui le titre sera finale de Ligue Europa, point d'interrogation, point d'exclamation, voilà, ça va ou quoi? Si, je t'assure que c'est possible. Bref, voilà, on est parti pour une conf de presse aujourd'hui, dans la bonne humeur, dans la joie. Bien sûr, j'invite les gens qui... J'invite les gens qui... Il y a quelques gens qui spamment dans les commentaires. Le Roi Sané, il a une limite de commentaires maintenant par vidéo, sachez-le. Donc ça sert à rien d'aller l'insulter. Essayez d'être un peu moins négatif. Si vous voyez un mec qui écrit beaucoup de commentaires et tout, dites-lui juste arrête de spam et lui dites pas va te faire voilà, c'est de rester correct. On gagnera si on joue bien, voilà,
Ça me semble assez logique. Ah, mais Mégouin, on était formidable. Voilà. Les derniers résultats sont bons, mais il faut rester concentré. Des matchs difficiles nous attendent. Et si on continue à bien préparer nos matchs, je pense que notre belle série peut continuer pendant encore longtemps. Okay, guys, we are out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you were unable to get. Ah, we are out of time. C'est à peu près ce qu'elle a dit. C'est à peu près ce qu'elle a dit. Allez, on y va dans la joie et la bonne humeur de l'absence de qui? Sur le banc. On s'en fout. On s'en fout, j'ai dit. Alex Nelson, le meilleur buteur de Ligue Europa, de notre côté, ne sera pas pour ce match aller. Il ne sera pas là. Donc c'est un peu dommageable. On y va. On va mettre bien sûr l'équipe type. On va enlever Martinez pour mettre... Allez, Nketiah qui va jouer du coup, enfin qui va être sur le banc pour ce premier match. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Si vous aimez la vidéo, les gars, le pouce bleu, soyez positif, hein, c'est le plus important. Comme d'habitude, les 1000 likes, ce serait très très cool. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous avez, que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à follow les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire. Voilà, c'est la chaîne, elle s'appelle SDNHO. Donc S-D-I-N-H-O, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne secondaire, je n'en parle pas souvent, parce qu'il y a des vidéos qui vont arriver dessus, et il y en a déjà qui sont dessus, donc n'hésitez pas. Bref, on y va pour ce premier match, c'est parti. Allez, on est parti les gars, pour une compétition que j'apprécie, je crois que je ne vous l'avais jamais dit. Et c'est une compétition que j'aime assez. Hein. Je le ferai pas pour le match retour, cette blague que vous adorez. C'est moi ou il y a Timo Werner? C'est plutôt réaliste, hein. Werner qui... Chelsea s'est vraiment approché sur Werner. Je crois qu'il a une clause à 60 millions, Werner, donc sûrement qu'il va être acheté par l'Angleterre. Hein. Ah, il est là, hein, Timo Werner à Chelsea. C'est un joueur qui matche bien, je trouve, avec Chelsea, hein, pour mettre Giroud en réserve. Allez, on y va pour ce premier match du jour. Hein, on va essayer de faire du beau jeu, on va essayer de gagner bien sûr et de s'amuser en étant positif, c'est quand même le plus important. J'aimerais bien aussi avoir un peu de d'adversité parce que si c'est trop facile, c'est moins marrant. Et il va falloir que mon attaque réponde présente également. Et n'hésitez pas toujours à me conseiller au mercato, hein, selon les profils que, enfin les profils différents que je peux aborder. Quel joueur je recrute, on verra bien. Lampard est préparé du côté de Stamford Bridge. Club qu'on a retapé vendredi, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Bon allez, on va aller voir la compo manuellement de Chelsea pour pas que ce soit trop long non plus la vidéo. Alors, Timo Werner, Pulisic, Lucas Vazquez, belle recrue hein, avec Werner. Kovacic, Bakayoko, N'Golo Kanté, donc Bakayoko retour de prêt. Léo Dubois recruté, Jonathan Tarr recruté, Sergio Reguilon recruté. Donc ça a beaucoup recruté, on connaît beaucoup cette équipe, enfin là, on l'a joué 1000 fois. Donc ça va être sympa. Oh là là, bien joué Aubameyang, la première situation! Le raid qui est Paris au Malaga! La première situation! La voici, excusez-moi, je suis en train de régler le micro en même temps pour pas que mon chant dit trop fort non plus. Corner à suivre, on le sait, les corners dans ce jeu, c'est quelque chose, mais il est pas mal celui-là! Les grands bras de Kepa qui permettent à Chelsea de rester en course. Oh là, Bakayoko, qu'est-ce qu'il a fait, Bakayoko? Le but de Chimwe Bakayoko, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce qu'il nous a fait? C'est un bijou! C'est un bijou! C'est magnifique! 1-0 pour Chelsea, les Blues qui mènent 1-0 dans cette demi-finale aller de Ligue Europa. Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Quelle inspiration! Non mais là, oh, c'est grave de se prendre ça! C'est grave! 1-0, qu'est-ce que c'est beau! Allez, Daniel Olmo, le décalage vers Nicolas Pépé, la vélocité de Nicolas Pépé, la finition, le poteau et le but de Pierre-Emerick Aubameyang, 27e minute, réaction. Il a énormément de réussite alors que Pépé n'en avait pas eu sur sa finition en tapant le poteau. Poteau gagnant, un partout, le match commence à s'emballer de toutes parts.
Il y avait trois joueurs des Gunners dans la surface. Il y avait une faute sur Nicolas Pepe ici. Et derrière, on a l'opportunisme et la réussite. Ouais, l'énorme réussite. Il y a même peut-être presque faute sur Rudiger. C'était un peu micmac. On va dire qu'il siffle pas faute sur Pepe, donc il siffle pas faute sur Rudiger. Et on égalise très très vite dans ce match. Oh, c'est bien joué ça de la Cadetar Pepe. Pepe, c'est ses ballons préférés, ceux-là. La finition à côté, à côté, à côté, mais pas si mal. Parce qu'il le sait, hein. Il le sait qu'il revient le défenseur. Il essaie de frapper très fort en lucarne côté fermé. Ça peut fonctionner hein, par moment. C'est des buts que mettaient. En tout cas, dans mes souvenirs, ce genre de but, je voyais beaucoup Thierry Henry en mettre. Là, ça passe pas, mais c'est pas si loin. Oh, le poteau d'Aubameyang! L'inspiration, Olmo! Mais quelle parade, Kepa Arrizabalaga! D'ailleurs, j'ai mal prononcé hein, le gardien remplaçant de Hugo Lloris la semaine dernière, je suis désolé. Mais bon, vous me pardonnez. Je fais souvent des erreurs au niveau des mots. C'est parce que dans les vidéos, des fois, tu. Quand t'es galvanisé par la vidéo, du coup, tu oublies un petit peu les noms, les termes, les trucs. Allez! Ouf, Kepa il s'est trouvé un petit peu, nouveau corner. Et là, on est en train de bien jouer dans ce début de deuxième période. Ah, il y a des changements pour Chelsea, très bien. Avec Loftus-Cheek qui rentre, nouveau corner, non. C'était une tête d'Aubameyang. N'Golo Kanté qui est sorti. Voilà, Vasquez. Vasquez Werner, Pickford toujours là. Notre soldat. Casse les couilles. Pardon, excusez-moi, il y avait un son qui avait du mal à se mettre. Allez, ça va. Corner à suivre pour Chelsea, 67ème. Méfions-nous malgré tout. Avec Kovacic qui, ouais, qui va aller suivre la ligne et sortir finalement avec l'impulsion de notre Ceballos National. Nouveau corner. La retourne acrobatique de Reguillon. Pourquoi pas. On voit des choses bizarres hein, quand même. Hein. Allez, bien joué, ça s'est écarté vers Kieran Tierney. Kieran à la surface. Kieran, il tente ta frappe. Un petit peu égoïste, peut-être, le petit Kieran Tierney. On va faire nos changements en sortant plusieurs joueurs. On va faire rentrer Rashica. Et on va faire rentrer. Allez. Doucouré. Sait-on jamais sur corner. Une tête ou quelque chose, peut-être, ça pourrait être possible. Allez, la tête. Ouh, nouveau corner, c'est Jonathan Tah qui la décale. On va essayer de retrouver Kalidou Koulibaly. Eh ben alors, Kalidou. C'est honteux. Non, c'est pas honteux, calme-toi. C'est pas si honteux que ça. Pas mal, bah, c'est du pied, c'est compliqué pour lui. Voilà, voilà, Bakayoko, il est tout seul. Il a de l'espace, Bakayoko, il va frapper. L'arrêt de Pickford. Un partout toujours, 90ème dernier corner. Il est tout seul hein, après un mouvement un petit peu présomptueux de la part de Doucouré, qui sera partant hein, au mercato, vous le savez. Allez, le corner de la dernière chance pour les Blues. Les supporters, ils ont crié une fois, ce qui est quand même assez phénoménal. Le retourné acrobatique, encore une fois, mais non, il n'y a même pas corner. Il y a 6 mètres, il y a 6 mètres, et c'était Pulisic hein, qui l'a tenté. On n'aura pas trop le temps, je pense, de faire un contre. Surtout qu'ils sont. Ils sont pressants et ils sont solides défensivement. Donc ça va être un partout. Pour ce match aller de Ligue Europa, tout reste possible au match retour. Même si on a mis un but qui compte double en cas de match nul. Donc c'est un point de prix pour nous. C'est un meilleur résultat pour Arsenal que pour Chelsea. Donc on va s'en contenter. J'ai envie de revoir ce but phénoménal. Hein. Ah, ça c'est un peu bugué, ok. J'ai envie de revoir le but si c'est possible, bien sûr. Ah bah c'est bugué hein. Ah ouais. Ah bah ouais ok. Ah c'est... Il est pas bugué ce jeu hein. Est-ce que résumé du match ça fonctionne ou pas? Ah ouais lourd. Bon bah je voulais revoir le but mais du coup c'est plus possible. Bon on a largement dominé ce match. On aurait pu mériter un petit peu plus. On a Monaco qui a battu le Benfica 3-1. Donc si on se qualifie pour la finale, on verra peut-être jouer Monaco, même très certainement. Ce qui sera une finale bah, plutôt inédite, hein, très clairement.
Allez, on y va. On a besoin de points toujours. On a 35 matchs dans cette saison. On peut passer à 86 points. Il faut passer à 86 points. Il nous faut les 3 points absolument contre Villa. Donc, c'est Tipar pour un nouveau match. On va faire tourner un petit peu l'équipe, bien sûr. Avec Rice Nelson. Avec Martinelli et Rashica qui jouent ce match-là. On va faire jouer les Doucouré et compagnie. Guendouzi, Willock, Maitland-Niles, Zinchenko. On va mettre Martinez. Le banc dans toute sa splendeur aussi qui joue. Allez, non, il n'y a pas Saliba. Allez, voilà. Allez, on y va comme ça pour le déplacement du côté du Villa Park. Ça va pas être évident parce qu'on a mis l'équipe B. Allez, c'est l'antépénultième journée de championnat. Dans cette saison 2, du côté du Villa Park de Birmingham, bien sûr. Si vous ne le saviez pas, eh bien, nous sommes à Birmingham. Hein. Villa, c'est... Aston Villa, c'est là-bas, tout simplement. Allez, on est parti. Old and the 20th man. Ne jamais oublier le 12e homme. Eh oui. Allez, un club que j'ai entraîné il n'y a pas si longtemps. Donc, je connais très très bien ces clubs d'Aston Villa. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter d'Aston Villa France qui... un compte Twitter très cool. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que depuis que je fais du YouTube et que j'ai quelques abonnés, il y a quelques clubs qui m'ont suivi sur les réseaux. Je crois qu'il y a Rijon aussi, Girona, qui m'a suivi aussi. Et qui est en mode « nous oublie pas, nous, on est Girona, on aime bien ton travail et tout. » Donc voilà, s'il y a des clubs de foot qui me suivent en vidéo et qui ont une page Twitter, mais... C'est marrant, voilà, ça me fait rire et c'est cool. Et bon courage aussi pour tous ceux qui font ça bénévolement, parce que c'est toujours bénévole, souvent les pages françaises des comptes un peu plus gros, quoi, on va dire. Et il y en a d'autres, hein, des clubs écossais, des clubs de partout qui me suivent, donc Hibernian hein, notamment. Bref, on va regarder ça, c'était le moment où je raconte ma vie. Hein. Alors il y a Eduardo en pointe, ok, on a Green, on a Gilbert sur les côtés, Gilbert, l'ancien, il était quoi, Canet, qui est côté droit, mais milieu droit, McGinn, Lansbury, Oliveira, il y a Bernard Montiel, MDR, il y a Angels, l'ancien Rémois, Konsa, Taylor et Kalinic, il n'y a plus Jack Grealish, donc il a sûrement été acheté par quelqu'un. Oh, Mavropanos, il a pris ses aises, il va tester Kalinic. La première occasion, la voici, avec Mavropanos qui n'hésite pas, hein, défenseur central, à se projeter, à frapper. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Le corner maintenant, déviation, Björn Anbiels en corner une nouvelle fois. Nouveau corner, et dégagé par Lansbury. C'est pas terminé, avec Rashica, le centre fuyant. Enfin, plongeant même plutôt, et c'est capté par Kalinic encore. Allez, pourquoi pas? Allez! Le voilà le but! C'est Rashica! L'action collective des Gunners qui nous permet de mener 1-0. Allez, le bon ballon sur le côté. Le râteau. Et il y a de l'espace, hein, le défenseur qui fait n'importe quoi, il va dans les cages. Écoute, vas-y frère, hein, va dans tes cages si t'as envie. Va gêner ton gardien, c'est ce que tu viens de faire. Hein. Il a tellement gêné son gardien. Alors je pense que le gardien était battu. Mais il le gêne terriblement, ils sont collés. Et ça nous permet de mener 1-0 Milot. Rashica, 4e but en première ligue. Oh, pas mal joué ça, Rice Nelson dans la surface, 2-0. La course à la Ligue des Champions est... Bien mené de la part des Gunners, 2-0, le break est fait. Arsenal devrait goûter la Ligue des Champions la saison prochaine. Après, à quelle place va-t-on finir? Le titre de champion, ça va être très compliqué. Il faut espérer que tous les autres devant perdent. Mais nous, notre campagne de Ligue des Champions, on la jouera. Et grâce notamment au Baby Gunners, Rice Nelson, qui fait un trou. Le coach HSD, qui vient de la Hesse, bien sûr, qui exulte et ça fait 2-0 déjà. Deuxième but en championnat pour Rice Nelson cette saison, même si c'est plus un joueur de Ligue Europa. Oh non, il a... Penalty pour Villa. Il abuse, hein. Le mec, il abuse, hein.
Sérieux, il a taclé mais loin et le mec, non, regardez. Ouais, il le voit pas et du coup il trébuche. Oh. Putain, ça me dégoûte. Mais je l'arrête. Eh oui. C'est honteux. Non. Mais non. Eh si, bien sûr que si. La Panenka Danta, hein. Putain, ça me dégoûte. Voilà, l'entraîneur de Villa actuellement. Allez, corner à suivre pour Aston Villa. Qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de se passer plein de choses, on comprend plus rien. Et Martinez, qui est une vraiment très solide doublure. Hein. Tu peux dire ce que tu veux sur lui. Bah, il serait titulaire dans beaucoup de clubs au vu de son niveau. Il est fort, il est très fort, hein, Martinez. Donc je vous le dis, ce sera ma doublure pour la saison prochaine. Parce qu'au vu de ce qu'il fait, là, il t'arrête un penalty qui est loin d'être évident à arrêter. Oh, Green! Ouh, Green! Comme l'an dernier! Les petits enroulés pieds droits, ils nous les faisaient déjà! Oh, mon petit Green, comment tu vas? André Green, hein, c'était l'un des petits cracks de la saison passée avec Villa. Il mettait des enveloppés pieds droits et là, il est attente. Ça me fait penser à la carrière de l'an dernier. Donc, c'est plutôt un geste marrant pour moi et pour YouTube parce que on a vibré avec des buts d'André Green de folie. Et là, ça fait bizarre de le revoir tenter le même geste contre moi. C'était marrant. Allez, ping-pong, boum-boum. Gendouzi, le contre de Gendouzi. Commence à être rattrapé, Gendouzi. Gendouzi vers Rashica, le but. Et je crois que c'est Rashica qui est au départ de l'action, qui plus est. 3-0 pour les Gunners. Santé à tous. La très belle lucidité là, la vista de Gendouzi qui va la décaler au lieu de tenter sa chance, tenter sa frappe. Et Rashica mieux placé, qui a fait une course longue, qui vient finir l'action. 3-0 doublé pour Rashica dans ce match. Oh, Wilson, tout seul Wilson. Et Martinez à la parade encore une fois, 87ème, toujours 3-0. C'est grâce à cet homme, Martinez, très bon 1-2 je crois entre les deux joueurs de Birmingham. Mais au final... c'est corner et belle parade de notre portier remplaçant qui vient gagner le duel encore une fois. Sur les corners, il est vraiment fort aussi. Il rate quasiment jamais ses sorties de balles. Donc ça fait plaisir. Il reste pas beaucoup de temps. Green. Ouais, Green dos au jeu qui a vraiment galéré. Et là, on a le contre avec Martinelli qui a envie d'exploser. Martinelli qui vient trouver Midland Niles. Midland Niles qui était assez discret sur ce match. On le voit un peu plus d'habitude. Gendouzi. Allez, Gendouzi, il va tenter. Gendouzi, corner. Le dernier corner du match. Bon, toujours aussi compliqué de le taper sur ce jeu. C'est dommage, on aurait pu là. On aurait pu marquer, je pense. Mais finalement, ça va être une fin de match. Retour d'acrobatique, ok. Allez, c'est terminé. Victoire 3-0 pour la antépénultième journée de championnat. Antépénultième qui veut tout simplement dire avant-dernier, pour ceux qui ne savent pas. Le pénultième étant l'avant-dernier. Donc voilà, l'anté, c'est forcément avant. Donc l'anté, pénultième match de championnat. Allez, c'est cool. Eh bien, écoutez, on y va pour le pénultième peut-être match de Ligue Europa. Ou alors ce sera le dernier, on ne sait pas. Hop, touc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Chelsea qui a gagné. Manchester qui a pris 2-0 contre City. Ça fait pas trop nos affaires. Il aurait fallu plutôt... pour la course au titre, que ce soit l'inverse qui se produise. Mais pour la Ligue des Champions, ça nous assure notre place pour la LDC la saison prochaine, ce qui était quand même l'objectif à la base. On essaiera de jouer le titre l'année prochaine, parce que là, on n'est pas trop loin du titre, mais ça va être un peu trop tard malgré tout. Bon, allez, on y va. On va sauter la conf de presse, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et on y va pour ce match, la réception de cette équipe de Chelsea. On va mettre Nketiah sur le banc. On va mettre Danny Vass, je vais mettre Saka, je vais mettre Smith Rowe. Voilà, on met quelques joueurs qui sont un peu plus frais. Et on y va pour ce dernier match de la vidéo et peut-être le dernier en Ligue Europa. Ou alors la qualif en finale de C3 de Ligue Europa. On se retrouve les gars pour la demi-finale retour de Ligue Europa. Bon, je vous aurais bien dit que c'est une compétition que j'aime bien. Mais je vous ai dit que j'allais pas vous le dire, même si c'est une compétition que j'aime bien et que je vous l'ai jamais dit, j'ai promis de pas le dire tout à l'heure, donc je ne vous le dirai pas. Voilà, je tenais à le préciser que j'allais pas le dire, hein, que j'adore cette compétition. Bref, en tout cas, on est parti.
Objectif clair. Les 3 points non, mais la victoire, ce serait déjà bien. Ou alors le match nul qui est positif. En tout cas, la qualification compte à elle seule, hein, si je puis dire. Et on a Monaco qui a fait un petit pas, voire un gros pas pour la finale de cette Ligue Europa. Monaco en finale, c'est pas mal. Hein. Donc à nous de faire le travail. Pulisic toujours là, Vasquez, Werner, Kovacic toujours là. Ça c'est l'off-stick je crois. Il n'y a pas d'N'Golo Kanté s'il est capitaine je pense. Donc bon, il y a Jonathan Tah. Il y a Rudiger aussi. Ça ça doit être Léo Dubois. N'Golo Kanté. Du coup il y a... Ah ben c'est Bakayoko que j'ai pas reconnu. Ça m'étonnerait. Non il n'y est pas Bakayoko. Il n'y est pas Bakayoko hein. Il n'y est pas. Alors qu'il avait, il avait marqué le but du match aller, il n'est pas là au match retour, je sais pas pourquoi. En tout cas, il n'est pas là. Le coach Hasdé qui a mis sa compo classique, les APL en pointe, Olmo, Ceballos, Torreira toujours dans ce trio magique, Diéné Koulibaly, ça tient la baraque, Tierney, Bellerin et Pickford en cage. Très belle ambiance hein, dans cet Emirates Park, Emirates Stadium plutôt. La compo des Blues bientôt. Allez Pickford, un gros match aujourd'hui, hein, comme d'hab. Pickford qui est, je trouve, le meilleur gardien du jeu à prendre dans son profil. Hein. Je pense que c'est le meilleur gardien du jeu, moi, je pense. En tout cas, en carrière, tout ça, tout ça. En tout cas, c'est celui le meilleur que j'ai testé. Voilà, pour être complet dans mes propos. Et il n'y a pas de Bakayoko. Je crois que c'est du Love to Stick, hein, ouais. Avec Kovacic, il y a Reguillon, hein, ouais. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc Loftus-Cheek à la place de Thiemwe Bakayoko, buteur du match aller. Pourquoi pas, on y va pour ce match. Eh ben écoutez, on a un coup franc. On a un coup franc qui se tente. Oh non, il est pas assez fort. Regardez, il va être ridicule. Oh que c'est ridicule. Bon ben, c'était un très beau coup franc. Hein. Magnifique, il n'y a rien à dire. Le coup franc le moins puissant de l'histoire du football. Devant vos yeux. J'espère que ça vous a plu. Oh là 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 là, Pulisic tout seul. Pulisic, encore et toujours, c'est pas fini, la frappe de Kovacic à côté. En deux temps, finalement, Chelsea qui crée une belle occasion. Hein. En deux temps, et finalement, ça les aide parce qu'il y a un meilleur appel. Le meilleur appel, c'est celui-ci. La frappe, elle passe à un petit mètre et encore peut-être pas un mètre, mais c'était pas si mal. Hein. Il est passé, il y va, Loftus-Cheek, il y va. Oh là là, oh là là, oh là là, grand danger, Koulibaly qui vient épauler son portier, toujours un partout dans le double match, dans la double confrontation, on a toujours l'avantage, mais il y a Chelsea qui pousse depuis quelques minutes, avec un Loftus-Cheek un petit peu remuant, c'est le moindre ouais, c'est le moindre des choses que je puisse dire, encore Loftus-Cheek et encore Pickford à la parade, un petit peu mis en difficulté, et le gros pressing de Chelsea qui nous met un petit peu à mal. Et puis voilà, ils ont une charnière, on le sait, très physique, hein, donc c'est pas évident. Peut-être que là, avec le contre, la prise de balle d'Aubameyang est pas terrible. C'est pas terminé, c'est à côté. Putain! Aïe, 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 aïe. Il tente l'envelopper pied droit, alors que bah, il s'était complètement trompé, je crois. Bah, c'est Jonathan Tah qui s'est complètement trompé, hein, il a fait n'importe quoi. Et on n'est pas loin du 1-0 qui aura été très compliqué pour Chelsea à ce moment-là du match. Oh, il est passé, Nicolas Pepe, boum! La frappe à côté de Nicolas Pepe, on n'a pas envie de le plier ce match. Ah ouais, il frappe trop fort, un petit peu trop de précipitation pour Nicolas Pepe qui n'est pas encore le joueur parfait qu'il deviendra, en tout cas dans cette carrière, parce qu'il va devenir encore plus fort, je le sais, dans cette carrière, il est déjà très très fort. Et là on n'est pas loin à la mi-temps du 1-0, mais c'est toujours 0-0, tout est encore possible dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup de suspense, beaucoup d'envie d'aller chercher la finale, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans le football, on se retrouve pour la suite de cette deuxième mi-temps et de cette fin de match. Hop, 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 toujours encore des occasions un petit peu à la con. C'est quoi ça dans ce match, des occasions un peu étonnantes, un peu bizarres. Ah, la casette qui va pas passer, Loftus-Cheek qui a toujours les ballons de récupération. Et derrière, ça essaye de progresser. Hein. Il y a du duel. C'est un match assez physique aussi.
Bellerin qui n'a pas l'occasion de se projeter en contre alors que c'est un contre-attaquant assez formidable. Même si là il y arrive. Là il y arrive. Nicolas Pepe il y arrive aussi. C'est pas mal joué. Très bonne transi avec Bellerin encore. Qui est fauché par Aiguillon, mais c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est propre. C'est un match incroyable. Oh oui! Ouais, la tête et le but! Je me plains sans arrêt! De jamais marquer sur corner! Papa, papa! Y'a quoi maintenant? Enfin, je marque un corner! C'est au même le premier poteau! Qui vient en déviation! Et en fait, je crois que Léo Dubois, il est happé par des joueurs qui montent sur le gardien. Parce que j'ai fait une stratégie de monter sur le gardien. Et j'ai l'impression que Dubois, pendant un petit court instant, il décroche sur Aubameyang. Il se dit ah merde, il y a Aubameyang. Il revient, mais c'est déjà trop tard. Et du coup, on gagne le duel de la tête. Pierre-Emerick Aubameyang qui va ensuite la croiser magnifiquement. Deuxième but en Ligue Europa pour lui, 1-0 dans ce match. La qualif est quasiment assurée. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des joueurs qui ont foncé sur le gardien pour essayer de trouver un petit peu d'espace. Et c'est ce qui s'est passé. Oh là là, Dani Olmo, pas loin. Pas loin, pas loin. Dani Olmo, il est très excentré, mais il a un petit peu d'espace. Il est seul, il va tenter la frappe enveloppée. Elle passe au-dessus, je pense que de toute façon, Kepa l'aurait arrêté s'il était cadré. Oh là là. Oh là là, Aubameyang. Oh, ce qu'il vient de leur mettre. Aubameyang tout seul. Il pousse trop loin son ballon, Kepa, la parade. Kepa qui est vite monté, il a vu que le contrôle était un peu long d'Aubameyang. Oh, Adjene fait un match très propre. Hein. Torreira aussi en métronome un petit peu du jeu à l'arrière. Et Dani Olmo qui essaye de créer. De toute façon, on a une équipe tellement intéressante offensivement, au niveau de la création de jeu, les latéraux qui peuvent monter, qui rechignent pas à faire des efforts. On a une équipe très complète, hein, donc c'est normal de faire des bons matchs, d'être bien classé, de progresser hein, tout simplement. Au vu de l'équipe et de l'état d'esprit des joueurs, c'est quand même une équipe sacrément unie. Hop, 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 poteau de la casette sur ce coup de flipper. Le capitaine des Gunners qui vient frapper. La frappe est totalement ratée, mais ça va toucher Rudiger qui touche le poteau. Pas loin finalement de marquer. On va retester la petite stratégie là, à monter sur le gardien pour voir. Cette fois-ci, non, c'est sur Kovacic. Ça marche une fois, pas deux. Allez, c'est pas terminé avec Denis Ceballos malgré tout. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et non. Allez. Allez. Le doublé. C'est jamais fini, SD. Never, never forget. This is not the end of the action. Because Ceballos have a big grinta. I speak very well. Hein. Yes, yes. Yes, 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 yes. C'est honteux. Et Kepa, il n'y peut rien. Il n'y peut rien parce que c'est sa défense qu'il a laissé tomber sur ce coup-là. Et il n'y a rien à faire pour lui. S'il fait l'exploit d'arrêter ce ballon, c'est qu'il est très grand. Mais non, Aubameyang qui met son doublé. Et on va aller la remporter, cette demi-finale. On va remporter cette demi-finale et se qualifier sûrement contre Monaco. La semaine prochaine, du coup, le match hein, contre Monaco. Mais quel match. Franchement, très sympa cette double confrontation. On a vu du jeu, on a vu des rebondissements. Et voilà, il faut jamais lâcher. Hein. Et Pepe, rattrapé par N'Golo Kanté, qui lui a mis un petit coup d'épaule au passage. Excusez-moi du peu, hein, Lacazette qui vient récupérer ce ballon avec beaucoup d'envie encore une fois. Le ballon, il a vu hein, Nicolas Pepe qui était un petit peu plus seul là-dessus. Nicolas Pepe qui continue son action, qui va frapper. Kepa qui ferme les jambes. Et corner à suivre. On va demander l'appel d'un joueur. Voilà. Là maintenant, monter sur le gardien. Voilà. Voilà. Ah, bah c'est totalement raté, super. Je sais pas. Ah, d'accord, j'ai contrôlé le joueur au lieu du ballon. Ok, j'ai compris. Tout va bien sur la fin du match. Vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Au moins, ça vous aidera peut-être à vous améliorer. Je sais qu'il y en a qui me demandent des fois comment progresser contre l'ordinateur. Bah, essayez de brancher le cerveau et la manette. Voilà. Non, faut jouer, c'est tout simplement ça. En fait, pour monter, pour ceux qui jouent en pro ou en légende, non, parce que maintenant le mode ultime est complètement cheaté, mais
qui joue en pro, semi-pro, c'est quoi c'est avant légende, c'est quoi déjà? Je sais plus. Bref, le niveau intermédiaire entre pro et légende qui avant s'appelait international, eh bien n'hésitez pas en fait à tester de jouer des matchs au niveau au-dessus. Et c'est pas parce que vous perdez des matchs au niveau supérieur que vous allez pas vous habituer. C'est une question d'habitude. Donc moi, si vous êtes en pro et que vous voulez passer au niveau supérieur mais que c'est trop dur, essayez de persévérer et de voilà, d'essayer de jouer. Et au fur et à mesure, eh bien vous allez prendre moins de buts et vous allez gagner des matchs. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment jouer à FIFA avec un niveau un peu plus élevé, contre l'ordi en tout cas. Bref, bah écoutez, qualification, Monaco qui se qualifie avec ce petit match nul au stade Louis II. Et c'est ce qui vient clôturer cette vidéo. Riche en émotions, en rebondissements, et c'était cool, hein, on a fait de belles choses aujourd'hui. On est à 86 points, le titre est serré, il y a deux matchs de moins pour City-Liverpool, mais c'est serré quand même, c'est quand même très serré. Et bah écoutez, on est content quoi. Ouais. Allez, je vous montre les stats. Les stats, et on se laisse là pour aujourd'hui. On a les 28 buts de PP, 23 buts pour Aubameyang, 19 pour Lacazette, Rashica 15, Nelson 10. Les passes des 13 et 13 pour Aubameyang et PP. Et les progressions, les voici. Je vous laisse là pour aujourd'hui. La semaine pro, finale de Ligue Europa. Non, c'est pas ça. Finale de Ligue Europa, la fin du championnat. Donc, Stoke, Crystal Palace et Monaco. Voilà, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour un nouveau CDF. Et dans la journée, pour une deuxième vidéo. Normalement, soyez là, c'était SD, gros bisous, tchass!